je baptise ce navire Titanic. Puisse le ciel bénir sa course et protéger ceux qu'il portera sur les flots. Écoute un peu, Sylvie. Le nouveau transatlantique de la White Star Line, le Titanic, est le plus grand bateau du monde. Ce n'est pas seulement par sa taille, mais aussi par le luxe de ses aménagements que le Titanic a conquis la première place parmi les plus grands paquebots. L'approvisionnement gracieux des cabines de première classe en savon et aux toilettes Vinolia Auto assurera un haut standing de luxe et de confort aux passagers. Fais voir ça. Pour les passagers des premières, remarque. Les autres, bien sûr, ne se lavent pas. Excusez-moi, monsieur, mais seriez-vous étranger par hasard? Hein? Ou socialiste, peut-être? Je vous pose cette question parce que je trouve vos remarques désobligeantes de fort mauvais goût. Comment ça? Ceux qui tentent de rabaisser les plus belles œuvres de notre pays devraient avoir la pudeur de ne pas le faire en public. Tout bon anglais se sent fier de notre insubmersible Titanic. C'est très vrai. Je suis persuadée que mon mari partage votre opinion. Il est en route pour rejoindre le Titanic comme second officier. Je vous demande pardon. Vos plaisanteries nous avaient choqués. Oh, bien sûr, madame. Le savon ne prête pas à plaisanterie. Je n'aime pas qu'on se moque de notre marine. Ah, je me moquais de la réclame, pas du navire. C'est juste. Le Titanic partira de Liverpool, sans doute. Non, de Belfast. Et ensuite, nous ferons escale à Southampton. Ah, comme je vous envie. Tous les journaux disent que c'est une véritable ville flottante. Symbole du progrès. La victoire de l'homme sur la machine et sur les éléments. 800 caisses de noix pour le Titanic. Oui. 3000 douzaines d'œufs pour le Titanic. Oui. Tout est pour le Titanic. Oui, tout. 275 livres de caviar Beluga en pot. 500 kilos de confiture de Reine Claude et 500 de marmelade d'orange. Non, pas le veau, mais nous prendrons le reste du lot après le contrôle vétérinaire. Au revoir. Voici la liste définitive des passagers du Titanic, monsieur. Combien de première classe? 332, monsieur. 276 en seconde et 708 à l'entrepont. Au total, avec l'équipage? 2208, monsieur. Un peu plus de la moitié des émigrants doivent embarquer à Cherbourg et Queenstown. Alors, résumons-nous. 8 malarmoires,
10 valises, 18 pièces de bagages en tout. Ils sont prêts. Tout est prêt. Merci. Vous permettez, Milady. J'espère que Sir Richard et Milady feront bon voyage. Merci beaucoup, James. Vous ne craignez pas d'avoir froid, ma chère? Non, non, merci. Allez-y, Perkins. C'est le moment. Les voilà qui arrivent. Montrez à Sir Richard et à Lady Diana combien vous les respectez. De l'orphelinat. Ils tiennent à s'assurer de leur arbre et de leur dinde de Noël. Au revoir, ma chérie. Au revoir. N'oubliez surtout pas de m'écrire, c'est promis. Nous vous enverrons à 100 fils du bateau, c'est promis. Je vous confie ma petite fille. Dieu soit avec toi, mon enfant. Merci, mon père. Et revenez-nous vite après fortune faite. Vous pouvez y compter, mon père. Qu'allez-vous faire du cheval et de la voiture? Oh, je les vendrai à Queenston avant l'embarquement. Tirez-en un bon prix, Tom. On sent dur en affaire à Queenston. Ne vous inquiétez pas, je ne me laisserai pas enrouler. Ne pleurez pas, Madame Farrell. C'est la solution la plus sage que votre mari a prise. Est-ce que je peux vous aider, mademoiselle? Merci. Merci, c'est très gentil. Hé, attendez-moi! Tu crois que tu auras ta promotion après ce voyage, Bertie? Ça dépendra s'ils veulent ou non garder le vieux Wald. À bord du Majestic, tu étais numéro 1. Oui, mais c'était que provisoire. Ça ne t'ennuie pas? Non. C'est Bill Murdoch qui a fait un drôle de nez quand j'ai accepté. Il est très ambitieux, Bill. Et toi, tu ne l'es pas? Je te connais, tu sais. Crois-moi si tu veux, mais je préfère être second sur le Titanic que commandant sur n'importe quel autre bateau. Avec moi, madame, il n'y a que l'honneur de servir la compagnie. La solde ne compte pas. Oui, on dit ça. Qu'est-ce que tu aimerais que je te rapporte de New York? Oh, il n'y a rien de mieux ni de moins cher qu'ici, à New York. Oh, mais si. Les jarretières. D'élégantes jarretières de soie avec des pompons tout autour. Je connais une boutique à Broadway qui les fait venir directement de Paris. Des bleus, des vertes, des roses. Et ben, qu'est-ce qu'il prend? Je ris à l'idée que tu vas m'acheter des jarretières avec des pompons de soie. C'est l'idée de les voir sur toi. Oh, oh là là. Écoute, Bertie, tu as vu l'heure. Il faut que tu descendes au... Bonjour, pilote. Mon mari qu'on avait réparé avant la salle des machines. Oui, ça a été fait. Et merci, commandant. Ah, je crois qu'on nous prépare une réception triomphale à New York. Ce sera votre triomphe, monsieur le président. Oh, surtout le vôtre, Ando. Vous avez construit ce bateau, c'est à vous que revient tout l'honneur. Dans cette histoire, moi, je ne suis qu'un garçon de bureau. Nous devrions arriver, disons, mercredi matin, non? Oh, nous pouvons faire mieux que ça. Vous n'avez pas l'intention de battre les records? Oh, non, il n'en est pas question. On y pensera quand les machines seront rodées. Oui, naturellement, commandant, c'est à vous de prendre les décisions. À bord de votre bateau, je ne suis qu'un simple passager. Monsieur Murdoch. Ah, pardon. Au poste d'appareillage et prévenez-moi quand la passerelle sera rodée. Bien, commandant. Ah!
vraiment remarquable. Il faut dire que la mer est calme comme un lac. Oui, j'admets, commandant, mais calme ou non, je connais bien des bateaux qui roulent par tous les temps. C'est juste, monsieur le président. Le Titanic a une stabilité extraordinaire. Oh, quelqu'un a certainement poussé la table. On économise le sucre? Excusez-moi, commandant. Qu'est-ce que c'est? Les bateaux qui nous précèdent signalent des glaces flottantes. Un message de l'Américain et un autre du Baltique. Juste au sud du Cap Reyes. Jamais je n'ai vu les glaces descendre aussi bas que ça, commandant. L'hiver a été particulièrement doux dans l'Arctique. Les glaces doivent être entraînées par le courant du Labrador. Enfin, nos passagers ont tout leur temps. Sinon, ils ne navigueraient pas à notre port. Message pour le commandant. Parfait, radio. Faites-lui parvenir immédiatement. Oui, tout de suite. Excusez-moi, commandant. De la cabine de radio. Merci. Je vous demande pardon. Les bateaux qui nous précèdent signalent des glaces flottantes. Excusez-moi. C'est grave? Il va falloir redoubler de vigilance. T'entends? Ça vient du Titanic. Qu'est-ce qu'il dit? Meilleur vœu à Joe et à Ti, un mercredi, bon baiser de Nita et Bill, que des télégrammes privés. Qu'est-ce qu'il doit y avoir comme argent sur ce bateau? Il ne parle qu'à coups de télégramme. Glace flottante. Passer ordre d'achat 200 randes. Prix d'ouverture, bourse, 18 au matin. Qu'est-ce qu'il doit avoir comme fortune? Avec qui êtes-vous en ce moment? Le Titanic a son premier voyage, il va doubler le Cap Reyes. Bah, à combien se trouve-t-il? Je sais pas au juste, je reçois très bien l'émission. Il doit se trouver environ 50 000 derrière nous. Envoyé à tous les navires. Message du California. Danger d'iceberg. Nie śpiewa, prawda? Siedź spokojnie. Allez, maintenant, ça suffit, on va passer à quelque chose de plus gai. Juno Ingi, vas-y, Aloysio. Ya, ya! Voulez-vous m'accorder cette danse? Dansez! Oh, une petite danse. Allez, venez, allez. Comme ça.
Bonsoir, Binet. Bonsoir, Richard. Bonsoir. Johnny la terreur que les copains l'appelaient. Et je vous jure qu'il n'y avait pas un chercheur d'or qui lui venait à la cheville dans tout le Colorado. J'avais à peine 15 ans quand je l'ai connu. 15 ans? On n'avait pas un radis au début. Et puis, 3 mois après, il est tombé sur un filon. Et on est devenu millionnaire. Vous savez ce qu'il a fait? Non. Il m'a offert une maison. Une maison où toutes les pièces étaient pavées avec des dollars en or. Même la salle de bain. Quel travail pour instiquer tout ça. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Kevin. Pas d'ennui, Barrett? Non, monsieur. C'est vraiment un beau bateau. Merci, Asquez. Bonne nuit, monsieur. J'ai passé tout ce que j'ai pu, John. Mais il en arrive sans arrêt du bureau du commissaire. Tiens, voilà encore. Bonsoir. Désolé, monsieur Phillips. À bord du Titanic, chérie, comme nous aimerions être avec vous. Oh, la barbe. Alors, ça rend bien le Capras, hein? Oh, pas trop mal. Ils font souvent répéter, quoi. J'ai fait porter au commandant un rapport du Californien qui signale des glaces flottantes. Très bien. Oh, pas de pitié pour le pauvre peuple. Oh. Entrez. Quoi, encore? Malheureusement. Posez-les là, voulez-vous? Vous avez des ennuis, Phillips? Absolument pas. Bonne nuit. Bonne nuit. Gardez le même cap, Bosco. Même cap, lieutenant. Vous m'avez demandé, lieutenant? Ah oui, charpentier. La température descend rapidement. Je ne voudrais pas que les réserves d'eau potable risquent de geler, veuillez-y. Entendu, lieutenant. Merci. Tu n'as pas mangé. On va rentrer maintenant. De toute façon, on n'a pas le droit d'aller par là. C'est le pont des premières. On ne risque pas d'y rencontrer grand monde, tu sais, par ce froid. Bonsoir, Lightoller. Bonsoir, commandant. Pas d'autres rapports sur les glaces? Non, commandant. Que dit la température? Il gèle presque et le thermomètre continue à baisser. Dans environ une heure, nous atteindrons le courant du Labrador. Enfin, la nuit est claire, fort heureusement. Si jamais le brouillard se levait, il faudrait réduire le régime. Prévenez-moi s'il y avait le moindre risque. Entendu, commandant.
Dites-moi, monsieur Moody. Lieutenant. Alertez les vigies et dites-leur de surveiller attentivement toute trace de glace ou d'iceberg. On nous en a signalé dans les parages. Passez vous-même la consigne. Entendu. Et veillez à ce qu'elle soit transmise au changement de quart. Bien, lieutenant. Glace à l'avant! Aperçu. Stoppez les machines. Stoppez les machines. Les machines sont stoppées, commandant. Nous sommes dans les champs de glace. Je ne vais pas essayer de me frayer un chemin là-dedans, on attendra le jour. Faut-il le signaler par radio? Oui. Et demander qu'on fasse le point. Bien, commandant. Evans, quels bateaux sont dans les parages? Il n'y a que le Titanic, commandant. Ouais. Appelez-le et dites-lui que nous stoppons à cause des glaces. Monsieur Groves nous indiquera notre position quand il aura fait le point. Bien, commandant. Porte de la passerelle. Surveillez particulièrement glace flottante ou petits icebergs. Compris. Mais dites donc, j'espère que vous n'avez pas bu tout le chocolat en bas. Dis au charpentier de protéger les tanks d'eau potable. Et les vigies ont l'ordre de surveiller les glaces flottantes et les icebergs. Je crois que c'est à peu près tout. Je vais faire ma ronde. Merci, Lightoller. Je vous souhaite bon courage. N'attrapez pas froid. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Blake. Oh, tenez, voulez-vous déposer mon manteau dans ma cabine, s'il vous plaît? Bien sûr, monsieur. Merci. Alors, pour ces messieurs, du cognac et une menthe à l'eau pour les dames. C'est bien ça, monsieur? Oui, c'est ça. Dites-moi un peu, vous êtes sûr que cette main qui prend un essai à toute puissance... Je l'ai entendu dire par un officier, monsieur. Ça ne m'autorise pas à l'affirmer. Ah, voici quelqu'un qui pourra nous renseigner. Lieutenant. Monsieur. Bonsoir, mesdames. Vous prendrez bien un verre. Oh, non, merci, monsieur. Jamais pendant le service. Nous avons décidé d'ouvrir un pari sur la performance qu'accomplira le bateau demain. Nous avons entendu dire que le commandant va tenter un essai. C'est possible. Ah. Alors, à quelle vitesse pariez-vous qu'il marchera, lieutenant? Oh, je ne crois pas avoir le droit de parier. Pourquoi pas? Eh bien, je ne serais pas honnête de parier sur une certitude. Vous êtes sûr que vous ne voulez rien prendre? Tout à l'heure, si je peux me libérer. Veuillez m'excuser. Mais dis donc, on n'arrive pas à retrouver notre chemin. Vous ne pouvez pas passer par ici, c'est des secondes. Ah, pardon. Ah, excusez-moi, mon vieux. Au bout du couloir et tournez à gauche. Bonsoir, lieutenant. Bonsoir, John. Ça se passe bien? Oui, très bien. Je peux faire quelque chose pour vous? Non, merci. Un gros, non? Pardon? Vous savez de qui je parle? Oh, oui, il gagne gros. Je crois l'avoir déjà vu quelque part. Sur le Majestic, il me semble. Il s'appelle Rogers, lieutenant. Hein? Il s'appelait Yates la dernière fois. Les autres ont les moyens de perdre? Très largement, lieutenant. Si vous en avez l'occasion demain, essayez donc de leur faire comprendre qu'ils ont affaire. Nous ne voulons pas d'histoire de genre. Je ferai de mon mieux. Si le bateau avait mauvaise réputation, ça jaillirait sur nous. Bonsoir, John. Bonne nuit, lieutenant. J'ai dit, je vois. Flash. Voici notre position aussi, précise que possible. Le commandant m'a dit que tu devais la transmettre. C'est vrai. Qu'est-ce qui se passe, que dit-il?
Il demande qu'on n'interrompe pas. Il parle encore avec le Caprès. Qu'est-ce qu'il envoie au Caprès? Message privé, toujours. Une grosse légume demande que son wagon personnel vienne l'attendre en gare de New York. Mais il y en a qui ont de la veine. Eh bien, il est temps que je ferme boutique et que j'aille faire dormir mes jolis yeux. Dis donc, quand j'aurai fini mon quart, j'aimerais venir écouter un peu. Tu commences à comprendre le morse maintenant? Bon, un mot sur trois, à peu près. Faudrait que tu sois nommé second opérateur. Comme ça, tu pourrais assurer la veille. Mais ça viendra peut-être. Bonsoir, docteur. Bonsoir, lieutenant. Y a quelqu'un de malade? Je suis en train de jouer les Saint-Bernard. Non. Bientôt, elle vous promènera en laisse. Oh, quel esprit mal tourné. Oui, entrez. Ah, docteur, que puis-je pour vous? Vous pourriez cesser un instant de travailler à votre beau navire et prendre un verre avant d'aller dormir. C'est ce que je viens de faire. Et c'est le médecin qui vous parle en ce moment, mon cher. Entrez. Qu'est-ce que c'est que ça? Le restaurant signale que le chauffe-plein ne fonctionne pas. Arrangez les lumières du salon de lecture. Remplacez deux crochets sur les rideaux du grand salon. Dites donc, on croirait vraiment que votre bateau tombe en morceaux. J'aimerais que tout soit parfait. Et le bonhomme d'abord. Les choses en second. Je bois à votre santé, monsieur Andrew. À votre santé. Alors, un peu de courage. Ouais, ouais. Il y a un grand bâtiment qui vient sur nous à tribord. Et combien se trouve-t-il? À peu près 10 000, commandant. Ah. Il faudrait savoir qui il est, ça vaudrait mieux. Contactez-le par signe au morse. Bien, commandant. Thank you.
qu'est-ce qui se passe? Iceberg droit devant! Iceberg droit devant! Barre à droite, toute! Barre à droite, toute! Machine en arrière, toute! Machine en arrière, toute! Faites fermer les portes étanches! Faites fermer les portes étanches! La barre est tout à Un iceberg, commandant. J'ai mis la barre à droite toute et les machines en arrière toutes, mais nous étions trop près. Stoppez les machines. Stoppez les machines. Mais mon verre s'est vidé. Stuart. Oui, je l'ai vu, une vraie montagne. Oh, par exemple. On l'a dépassé maintenant, mais on l'a rasé. Tenez, de près. Je vais l'emporter en souvenir. Où avez-vous pris ça? Ça vient de l'iceberg. Si vous en voulez, il y en a des tonnes. Pardon, qu'est-ce que c'est que ça? Stuart, apportez-moi un whisky, sans glace. Moi, je vous dis qu'on s'est mis au sec. On s'est mis au sec sur Terre-Neuve. Ah, qu'est-ce que tu racontes? Tu sais même pas de quoi tu parles. Fermez les compartiments étanches et laissez tomber les feux. Je suis sûr qu'on a dû casser une pelle d'hélice. J'étais à bord du Majestic quand la même chose est arrivée. Ah. Tu verras qu'on va retourner à Belfast pour réparer. Ils ont mis les pompes en action. Gardez une équipe ici pour faire tomber les feux. Vous avez entendu? Allez, venez avec moi! Allons les gars, on descend. Donc je pense que c'est aujourd'hui mon anniversaire. Voilà, eh bien, s'il n'y a rien de plus intéressant à voir, je vais aller dormir. Bonne nuit. Bonne nuit. Qu'est-ce qui se passe? Oh, rien de grave, monsieur. Dans quelques heures, ce sera réparé. Oui? Pourquoi avons-nous stoppé? Il est arrivé un accident. Le commandant vous prie de venir le rejoindre sur le pont, monsieur. Maintenant? Oui, s'il vous plaît, monsieur. La voie d'eau est énorme, commandant. Le compartiment de la poste est presque plein. Les pompes sont en marche? Oui, commandant. Merci, Charles. Mais la chambre des machines dit que c'est insuffisant, il faudra en équiper d'autres. Eh bien, ce n'est vraiment pas de chance, commandant. Non, monsieur. Croyez-vous que le bateau soit sérieusement endommagé? J'en ai bien peur. Excusez-moi. Quel retard pensez-vous que cela puisse nous causer? Nous avons touché un iceberg. Je crains que les dégâts ne soient très graves. J'aimerais connaître leur étendue. Très bien. Je vais faire une inspection. Oh, ça c'est formidable! Allez, allons-y les gars! Oh non, 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 non! Si on commence à jouer, faut jouer dans les règles. On va se diviser en deux camps. Vous par là, vous autres, dégagez. Allez, on commence. Allez, allez-y. Allez, essayez de rentrer à but. Oh, bien joué, bien joué. Si on allait s'amuser un peu avec eux. Mais voyons, ce sont les passagers de l'entrepont.
Vous ne voulez pas en voir davantage? Non. Chef, vous ferez remonter les hommes dès que vous pourrez. D'accord. Je vais le faire, monsieur Andro. Pourquoi le bateau s'est-il arrêté? J'ai entendu parler d'iceberg, madame. Je présume qu'ils ont stoppé pour ne pas risquer de le heurter. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont stoppé les machines et ils lâchent toute la vapeur, je sais pas ce qu'il y a. Peut-être bien des glaces flottantes. Hein. Ouais, mais moi, je peux pas dormir avec ce remue-ménage. Tu veux un coup de main? Eh ben, mon vieux, j'ai passé tout au Capresse. Ah, tu pourrais peut-être m'aider à faire mes comptes. Ouais, vaut mieux que je m'habille tout de suite. Tu crois qu'on va faire demi-tour? Oh, ne parle pas de malheur. Si ça arrive, on n'aura pas une minute de répit, nous. Voilà la situation. Le pic avant est presque plein. Ainsi que les compartiments 1 et 2. La chambre de la poste et rue de chauffe numéro 6 et numéro 5. Cela suppose une déchirure de 100 mètres de long d'ici à là, au-dessus de la ligne de flottaison. Vous êtes d'accord? Oui. Alors? Les pompes empêchent l'eau de monter dans le numéro 3, mais les 5 premiers compartiments sont inondés. Alors que va-t-il se passer? Nous allons sombrer, commandant. Mais c'est impossible! Le bateau est insubmersible. Il ne pourra pas se maintenir à flot. Regardez. Il pourrait flotter si sur les 5 premiers compartiments, 3 seulement étaient remplis. Il pourrait encore flotter si 4 l'étaient. Mais il ne se maintiendra pas quand les 5 seront. Oui, mais... Ces cloisons étanches ne montent qu'à la hauteur du pont E. Le poids de l'eau dans l'avant va compromettre l'assiette du navire. On va donc ouvrir les vannes pour amener l'eau du compartiment 5 dans le 6, puis du 6 dans le 7 pour le maintenir horizontal. C'est une certitude mathématique. Avec cette énorme masse d'eau dans les caves, il va sombrer. Combien de temps pourra-t-il tenir? C'est ce que j'essayais de déterminer. Pour autant que j'ai pu m'en rendre compte, l'eau est montée de 3,50 m dans les 10 minutes qui ont suivi la collision. Ce n'est pas très rapide. Nous pouvons tenir encore une heure et demie. Je ne pense pas me tromper. Il faut éviter toute panique. Oui. Et faire très attention en avertissant les passagers. Bien sûr. Combien de personnes y a-t-il à bord? Un peu plus de 2200. Combien de places dans les embarcations? Combien? 1200. Je ne crois pas que la commission de sécurité ait jamais envisagé une telle situation. N'est-ce pas? Messieurs, nous nous trouvons dans une situation dramatique. Nous devons nous préparer à abandonner le navire. Monsieur Murdoch, chargez-vous de rassembler les passagers. Monsieur Leiteler, faites dégager les canots et tenez-les prêts à être mis à l'eau. Monsieur Boxall, sonnez le rassemblement et que chacun soit à son poste. Monsieur Moody, vous seconderez le capitaine Leiteler. Messieurs Wald et Pittman resteront avec moi sur le pont. Tout doit être accompli dans le plus grand calme. Il faut à tout prix éviter la panique. Je vous ferai savoir quand les embarcations devront être mises à l'eau avec les femmes et les enfants. Allez, messieurs. Commandant, je crois que vous noircissez un peu le tableau. Malheureusement, non. Mais oui, Andrew. C'est d'après ses conseils que j'agis. Il est certain que le bateau va sombrer. Mais c'est insensé! Et de toute façon, il n'y a pas assez de place dans les canots. Je ne l'ignore pas. Plaise à Dieu que nous n'en arrivions pas là. Bon, maintenant, écoutez-moi. Le bateau a été très sérieusement endommagé. Et le commandant demande que les canots soient prêts. Il faut agir très vite. Il faut agir très vite et avec discipline. Nous voulons éviter toute panique. Si vous gardez votre sang-froid, les passagers ne s'affoleront pas. Le navigueur eut l'occasion de faire des exercices de canot,
Mais vous êtes tous de bons marins. Vous avez de l'expérience. C'est le moment de le prouver. D'accord, Bosco? Oui, capitaine. Alors allons-y. Le bateau a subi une très grave avarie. Envoyez le message de détresse. Le message de détresse réglementaire, commandant? Oui, faites-le tout de suite. Essayez d'entrer en contact avec le bateau le plus proche. Et demandez-lui de nous rallier aussi vite qu'il pourra. C'est bien compris? Oui, commandant. Donnez-lui notre position. Bien, commandant. Qu'est-ce que c'est que ce bateau qu'on voit là-bas? On sait qui il est? Non, on l'ignore. Il a dû s'arrêter à cause des glaces. La cloche venait de piquer 7 heures quand il a stoppé. J'ai essayé de le contacter par signaux morse, mais il n'a même pas répondu. Bon, moi je vais me coucher. Hein. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. L'espoir? Oui, le Francfort. Il se trouve à environ 150 000. L'Olympique dit que le Mount Temple doit être plus près. Il doit bien s'en trouver un encore plus près. Essaie d'envoyer le nouveau signal, SOS. Il se peut que tu n'en aies jamais plus l'occasion. Entrez. Je suis désolé de vous déranger, monsieur. Ce sont les ordres du commandant. Qu'y a-t-il? Il se trouve que le bateau a eu une avarie. Le commandant demande que chacun prenne des vêtements chauds, passe sa ceinture de sauvetage et se présente sur le pont. Quoi? Ce n'est qu'une précaution, madame. Excusez-moi, monsieur. Tout le monde debout, que chacun passe sa ceinture de sauvetage tout de suite. Tout le monde debout, habillez-vous et passez votre ceinture de sauvetage. Je vous dis de vous habiller et de passer vos ceintures. Vite, vite, chop, chop. Vagata la verna glenica. William, allez vite, viens. Je vous dis, passez vos ceintures de sauvetage et habillez-vous. Passez vos ceintures de sauvetage et habillez-vous. Allez, dépêchons-nous, les enfants, on n'a pas le temps de l'embiner. Allons, allons. N'oubliez pas les étuis. Monsieur Lightoller, je me permets d'inspecter... Qu'est-ce qu'il y a dans le sac? Du pain. Bon, alors jetez-les dans le canot, dans celui-là. Très bien. Toutes les embarcations de sauvetage doivent être manœuvrées par des marins. C'est dans leur règlement. Vous nous gênez pour travailler, monsieur le président. Voulez-vous descendre au salon? Allez-y, faites brasser les bossoirs. Baudin. Baudin. Ludzie, ludzie, woda u nas w kabinie. Janek, Janek, no popatrz co się dzieje, no co za porządki. Hey, debout là-dedans, pas trop chaud. Oh, ça va là, tout le monde debout. Ordre du commandant. Tu vas fermer la lumière, dis. Tu vas nous foutre la paix, oui. À votre aise. Folgant. Mademoiselle. Oui, monsieur. Pourquoi ne portez-vous pas votre ceinture? Je ne veux pas que les passagers puissent penser que j'ai peur. Il faut leur donner le bon exemple. Mettez-la, mon petit. Et pour votre salut aussi. Oh, madame, laissez-moi vous aider. Vraiment, il se donne beaucoup de mal pour rien. On sait bien que le Titanic est un submersible.
fois que j'arrivais à dormir depuis le départ de Queenstown. On le sait, tu me l'as déjà dit, il va faire froid dehors. Et Patrick, où il est? Tiens, va te prendre mon sac. Allez, remontez, vite, remontez! On dit qu'en grandissant, les filles ressemblent de plus en plus à leur mère. C'est l'aîné qui a le plus de chien. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois parfaitement. À ta place, je ne les verrai ni l'une ni l'autre à ce voyage. Et je sortirai avec la mère? Bon, tu pourrais tomber plus mal à ce qu'il semble. Ah, tu me donnerais des idées, je vais me coucher. Faites beau rêve. Bonne nuit, vieux. Je viens de recevoir un message de détresse. De qui vient-il? Du Titanic, il a touché un iceberg. C'est une plaisanterie. Non, il a touché un iceberg, il va sombrer, il demande du secours. Le Titanic, vous êtes complètement fou. Mais c'est vrai! Je vais chez le commandant. Monsieur Perkins, remplacez-moi. Bien, monsieur. Commandant! Commandant! Mais bon Dieu, qu'est-ce qui vous prend? On ne vous a donc pas appris à frapper avant d'entrer? C'est un message de détresse qui vient du Titanic, il est en train de couler. Excusez-moi, commandant, j'ai essayé. Monsieur Dean, faites faire demi-tour. Direction nord-ouest. Je viendrai prendre la barre dans un instant. Bien, commandant. Dites, Cottam. Vous êtes sûr qu'il s'agit du Titanic? Oui, commandant. Certain? Absolument certain. Assurez-vous-en encore une fois, recueillez le maximum d'informations. Dites-leur que nous arrivons aussi vite que possible. Bien, commandant. Contactez le Carpathia, elle se dirigeait vers l'est venant de New York, il a fait demi-tour. À quelle distance de nous se trouve-t-il? 58 000, commandant. Il vient vers nous en forçant de vitesse, il pourrait être là dans 4 heures. 4 heures? Oui, commandant. Quelle nouvelle du bâtiment qui se trouve là-bas? Il ne doit pas être à plus de 10 000, on voit ses lumières. Il n'a pas répondu? Non, commandant. Comment? S'il répondait, on ne pourrait manquer de l'entendre. Peut-être que la radio n'assure pas 24 heures de garde. À moins qu'il n'ait pas de radio du tout. C'est bon, Bride, merci. Monsieur Mooney. Commandant. Dites à Monsieur Boxall de lancer les fusées de détresse. Une toutes les 5 minutes du côté bâbord. Bien, commandant. Les embarcations de tribord sont parées à amener. Faut-il commencer l'embarquement? Oui. Faites embarquer les femmes et les enfants et mettez à l'eau. Bien, commandant. Une fusée, monsieur? Oui. C'est bizarre, je me demande pourquoi il s'amuse à tirer un feu d'artifice. Allons-y, numéro 22.
Allons, madame, embarquez, je vous passerai les enfants. Mais que va devenir mon mari? Je suis désolée, mais les femmes et les enfants d'abord. Eh oui, ma chérie, c'est le règlement. Mais dans un petit bateau comme ça, je refuse de partir sans mon mari. Cette dame a parfaitement raison. Allons, madame, soyez raisonnable. Soyez assez aimable pour m'aider, Armand. Je ne peux pas vous obliger à partir, madame. Allons, madame, je vous en prie. Voudriez-vous être assez aimable pour prendre place, madame? Et risquer de mourir de froid? Vous n'y songez pas? Vous voudrez. Voudriez-vous être assez aimable pour embarquer, mademoiselle? Merci. Hélène! Hélène! Oui? Est-ce que vous avez la permission de passer la nuit dehors? Mais je ne sais pas. Sans les ordres, madame, les dames d'abord. Les dames seront certainement plus en sécurité ici que dans ces coques de noix. Ce n'est pas l'avis du commandant, monsieur, excusez-moi. Mais dites-moi, lieutenant. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué comme moi, messieurs, mais j'ai l'impression que le bateau penche terriblement. Vous ne croyez pas? Bon, ça ne doit pas être très grave. Ce qui est certain, c'est que le bateau est insubmersible. Remuez-vous un peu! Allons, les enfants! Allons, dépêchez-vous! Je me demande à quoi ça sert, chef. Toutes les pompes du monde ne suffiraient pas à empêcher l'autre. Je le sais bien, mon petit, mais plus longtemps nous pourrons le maintenir à flot, plus nous aurons de chance de sauver des vies humaines. Allons, dépêchez-vous. Pardon. Monsieur Hanoi. Martin, j'ai du travail pour vous. Vous ne montez pas sur le pont, monsieur? Pas tout de suite. Ouvrez toutes les cabines inoccupées, prenez toutes les couvertures et les ceintures de réserve, faites-les distribuer par vos hommes, les couvertures pour les canons. Bien, monsieur, je vais m'en occuper. Merci. Monsieur Hanoi. Oui? Il y a quelque chose que je voulais vous demander. J'ai ma femme et mes trois enfants à bord. Est-ce très grave? Je ne suis pas du genre paniqueur. Le navire n'en a plus pour une heure. Un petit peu plus si les portes étanches tiennent le choc. Pas beaucoup plus. Que votre femme et vos enfants embarquent. Merci. Monsieur Arnaud, j'espère avoir la chance de me trouver dans le même canot que vous. Oui, je l'espère aussi. Par ici, madame, par ici. Faites aussi vite que vous pouvez. Descendez tout droit par là. Robert, pouvez-vous m'expliquer ce qui arrive? Les gens passent et repassent dans les couloirs en faisant un bruit infernal. Oh oui, c'est fort désagréable. Nous avons heurté un iceberg. Le bateau a subi de sérieux dégâts. Il se peut que nous arrivions à New York avec un jour de retard. Oh, comme c'est ennuyeux. Et pour tout arranger, le commandant a décidé d'appliquer les consignes de sécurité. Il demande que les femmes et les enfants se présentent sur le pont pour embarquer dans les canots. Oh non! Il le faut, ma chérie. Mais je ne vais pas réveiller les enfants. Est-ce vraiment nécessaire? Oui. Je crois qu'il faut obéir aux ordres du commandant. Très bien, Robert. Il va falloir habiller les enfants très chaudement et prendre les couvertures de l'île pour les envelopper. Je vais m'occuper de Tom pendant que vous préparez les filles. Très bien, chérie. Tom. Tom, réveille-toi, mon petit ange, il faut te lever. Annie, oh, Jennifer, ah, réveillez-vous, mes chéris. Gros garçon, ça. Remontez! Remontez! Remontez vite! Sortez vite de là! Vite, les gars! La porte va céder! Précaution, madame. Je refuse de porter cette horreur. Mais c'est pour votre propre sécurité, madame. Je trouve ça absolument disgracieux. Je refuse absolument de le porter. Essayez donc, vous verrez. C'est la fureur de la saison, tout le monde emporte. Dites, Steward, annulez mon rendez-vous chez le coiffeur. Vous lui direz que je suis partie en croisière. Embarquez dans les canots. Embarquez, s'il vous plaît. Embarquez, mesdames. Vous
voulez-vous me remettre mon sac? Le plus grand. Oui, c'est le mien. Du calme, pas tous à la fois. Et commissaire, s'il vous plaît, je veux qu'on prenne mes bijoux. Il me les faut tout de suite, je les ai déposés au coffre. J'ai reçu qui en fait foire. Mais le bruit court que les femmes et les enfants embarquent dans les canaux. Il est interdit de passer par là. Mais enfin... Je vous dis que les canaux de l'entrepont ne sont pas par là. Alors par où faut-il passer? On fera ouvrir le pont inférieur bâbord quand les ordres en sont donnés. Ah vraiment, ils le feront ouvrir. Eh ben on va s'en occuper. Il va falloir que je lâche encore de la vapeur. Alors il faudrait peut-être que je réduise la charge, moi aussi. Oui, pour commencer, couper le ventilateur de la chambre de chauffe. Ce sera déjà ça. Bon. Quoi de nouveau, là-haut, chef? On a une petite chance. À tout prix, il faut maintenir la lumière, quoi qu'il arrive. Je vous ferai prévenir quand il faudra remonter, et à ce moment-là, ce sera chacun pour soi. Mais j'espère qu'on n'en arrivera pas là. Il paraît que le Carpathia fait route vers nous, et qu'il ne va pas tarder à arriver. Eh bien. Espérons qu'ils disent vrai, hein, les gars. Il y en a qui ont envie de dire leur prière, c'est le moment. Quant aux autres, ils peuvent boire une tasse de thé avec moi. Couper le chauffage et l'eau chaude et tout ce qui n'est pas indispensable. J'ai besoin de toute la puissance que peuvent donner les machines. Bon, monsieur Dean. Voilà. Appelez tout le monde sur le pont, qu'on se prépare à recueillir les survivants. Ordonnez de cesser le travail courant. Tenez les canaux prêts à être mis à l'eau. Disposez des projecteurs électriques de chaque bord. Ouvrez toutes les portes extérieures. Gréez des palans à toutes les issues et préparez des élingues pour remonter les naufragés. Sortez les civières pour les blessés. Et assurez-vous aussi que toutes les échelles sont en place. C'est bien compris? Oui, commandant. Très bien. Quartier maître. Appelez le médecin et le chef Stewart par téléphone. Qu'ils viennent nous rejoindre sur le pont immédiatement. Bien, commandant. Non, elle ne prendra l'autre bateau, il n'y a plus de maman place. Maman! Il faut la laisser monter, c'est maman! Il faut la laisser monter! Laissez-la monter! Oh, c'est bon. Ça ne fait rien, madame, ils se contenteront d'un marin. Jo, prends le commandement. D'accord. Je viens, ma chérie. Parez, amenez! Qu'est-ce qui se passe? Vous aviez la charge de ce bateau? Oh, moi, je suis pas un fameux marin. Jo se débrouillera aussi bien que moi. Les dames d'abord, lieutenant. Amenez tous ensemble! Faites vite! Allons, allons, dépêchez-vous! Arrêtez! Qu'est-ce que vous faites? Soyez assez aimable pour ne pas vous emmêler, monsieur le président. Mais il faut que les embarcations prennent la mer! Nous sommes précisément en train de le faire. Vous ne voulez pas que je risque de noyer tout le monde? Bien, c'est ce qui arriverait si je les ai amenés trop rapidement. Alors ne vous emmêlez pas, je vous en prie. Continuez à amener! Oui. On va en entendre parler quand on arrivera à New York. S'ils fabriquent, ils sont aveugles. Ça fait déjà 6 fusées qu'ils lancent. Oui. Faudrait peut-être avertir le commandant. Qu'est-ce que c'est? Le grand paquebot qui est en vue. Il lance des fusées, ça en fait déjà 6. Oh, ça doit être un signal conventionnel pour les glaces. Appelez-le par signaux morse et demandez-lui. Bien, commandant. Le commandant pense que c'est un signal conventionnel pour les glaces. Ça me semble bizarre, pas à vous? Je vais encore l'appeler. On dirait qu'il gîte. C'est bien de l'angle sous lequel on le voit.
était dans l'autre bateau. J'aimerais bien être avec elle. Monsieur Andrews, madame, s'il vous plaît. Madame, c'est ce qu'on mais je ne vois pas pourquoi. Madame, soyez raisonnable. Ce n'est pas le moment de faire des caprices. Montez. Ouvrez les portes. Retournez au lit, papa. J'ai sommeil. Va aller faire une promenade en bateau. D'abord, ils nous disent de monter. Ensuite, ils nous font attendre en bas. L'embarquement se fait du fond, madame. Il faudrait qu'ils se décident tout de même. Excusez-nous, madame. On n'a pas idée de ne pas savoir ce qu'on veut. Oui, madame. Puisqu'il n'y a aucun danger, je me demande pourquoi on nous oblige à porter nos ceintures. Vous pouvez m'expliquer? Écoutez, je ne suis pas là pour discuter avec vous. Je suis là pour veiller à ce que chacun porte sa ceinture. Patrick et moi, on a trouvé le moyen pour passer. Où est Pat? Il est allé devant. Il n'y a pas de danger. Je vois une lumière qui clignote. Je me demande si c'est pas du Morse. Non, c'est plutôt une lumière qui bouge à son mât. Si j'avais un canon, je lui enverrais un obus. Par ici, mesdames. Faites vite, je vous en prie. Descendez tout droit jusqu'au bout. Par là, madame, c'est ça. L'eau est montée jusqu'au pont E à l'avant. Il ne reste plus beaucoup de temps. Si elles ne veulent pas monter, poussez-les. Bon. Dirigez-vous jusqu'au pont d'embarquement, mesdames. Par ici, mademoiselle. Merci. Faites aussi vite que possible. Suivez jusqu'au bout du couloir. Par pitié, ne me portez pas à monter. J'aime mieux mourir. Je ne suis jamais montée dans un petit bateau comme ça. Oh non, je ne peux pas, je vais me noyer. Oh non, non. Il faut y aller, madame. Je vous en prie, embarquez. Oh non. Allez-y, fais-moi. Bravo, Mike. Par là, maintenant. Et dites donc, vous, les passagers de l'entrepont ne doivent pas passer là, hein? Ah, vraiment? Ah non, mon vieux, laisse passer les femmes pour qu'elles embarquent. Si c'est contraire au règlement, je vais perdre ma place. C'est les dents que tu vas perdre si tu la bouges. Lâchez-moi! Espèce de rat. Vite, vite, allons-y avant qu'il ameute le quartier. Et dites donc, comment va ton canot? Tous les chemins mènent à Rome, tu sais pas ça? Tous les chemins mènent à Rome. C'est pas ici, Pat. Pas sans toi. Les femmes et les enfants d'abord. Je t'en prie, le prix soit raisonnable. Moi, je prendrai un autre canot. Allons, vas-y, nous nous retrouverons plus tard. Robert, je ne peux pas m'en aller. Je crois que nous devions renoncer à descendre en voiture à Philadelphie et que nous devions prendre le train. Je ne peux pas vous quitter, Robert. Cousin Henri nous attendra bien une journée si nous avons du retard, mais pas d'eux. Je ne pars pas, Robert. Ma chérie, je n'ai jamais exigé de vous que vous m'obéissiez. Mais cette fois, je vous le demande. Ce n'est qu'une question de forme d'embarquer les femmes et les enfants d'abord. Nous nous retrouverons un peu plus tard. Vous me dites la vérité? Bien sûr, ma chérie. Embarquez, s'il vous plaît, madame. On vous passera les enfants. Vous êtes de grandes filles maintenant. Vous allez veiller sur maman. Oui, papa. Au revoir, oui, papa. Ma chérie. Ah, viens, mon lapin. Et hop là. Au revoir, mon petit homme. Maintenez tout le monde en arrière pour dégager le canot. Bien, lieutenant. En arrière, s'il vous plaît. Allons, en arrière. En arrière, nous allons mettre l'embarcation à l'eau. En arrière. Barrez, amenez tous ensemble. Attention aux mains, mesdames. Ne laissez pas dépasser. Merci. Dis au revoir. Au revoir, papa. Au revoir, papa.
On va suivre le premier qui passera. Ah, pour se faire encore repousser? Non, non, on va essayer de passer par là, viens. Marie, tout cela ne me dit rien qui vaille. On va essayer de monter. Et une minute. On vous avertira quand vous pourrez monter. Oui, quand il sera trop tard. Bon, le 18. Hein? Marie, amenez tous ensemble. Bon, attendez. Vous, s'il vous plaît. Il y a encore de la place dans le bateau. Les femmes et les enfants seulement. Mademoiselle Russell, je croyais que vous aviez embarqué. Mon petit cochon, j'avais oublié mon porte-bonheur. Dépêchez-vous. Ça me suffit. On va devoir en soi tout à l'heure, si vous voulez. Oui, oui. Tout à l'heure. Ma parole, il doit avoir un rendez-vous. C'est pas aussi qu'il ait raison. Je ne connais pas grand-chose à la marine, mais j'ai l'impression que nous sommes dans une mauvaise passe. Eh bien, monsieur, à quoi pourrions-nous jouer maintenant? Une partie de piquet? Bien, Phillips. Du Carpathia, commandant. Il file 17 nœuds et il sera là aux environs de 3h30. Ce sera trop tard. Il va bien se trouver un bateau plus près, essayez encore. Bien, commandant. Je t'ai trouvé une ceinture, John. Oh, mais là, s'il te plaît. Non, pas. Non, commandant. J'ai vu clignoter une lumière, mais ça devait être un feu de l'orma. Quartier maître. Commandant. Pouvez-vous envoyer un message en morse? Oui, commandant. Alors vous allez envoyer sans arrêt. Nous sommes le Titanic. Nous allons sombrer. Préparez vos canots. Bien, commandant. Allez aider à l'embarquement des passagers. Bien, commandant. Monsieur Boxall. Commandant. Demandez à Monsieur Watt d'ouvrir la réserve d'armes et de munitions. Que nous en ayons besoin. Bien, commandant. On arrive, c'est mal. Non! Non, je ne veux pas partir! Non, je ne veux pas te quitter! Non! Non, je ne veux pas! Oh! Je vous en prie, mesdames, il n'y a pas de temps à perdre. Vous avez entendu ce qu'il a dit toutes les deux. Allez-y. Et c'est pareil pour vous. Alors. Oui, c'est scolite. Votre embarcation est complète. Oh, il y a encore des femmes ici, lieutenant. Alors venez, venez vite. Faites vite, je vous en prie.
Oh, dépêchons, mesdames, dépêchons, allons, vite. Allez, faites vite toutes les deux. Attention, vous mettez les pieds. Il y a de la place à l'arrière. Attention à vous. Mais ils nous permettront certainement de prendre une valise. Non, chérie, pas de bagages. Mais c'est mon trousseau. Tout ce que nous possédons se trouve là. Non, pas tout à fait tout. Quelqu'un disponible? Je peux y aller, si vous le voulez. Vous êtes marin? J'ai fait de la voile. Si vous vous sentez suffisamment marin pour descendre le long de ce filin, allez-y. Et du canot! Passez-nous le filin! Ça va. Bonne chance. Amenez tous ensemble. Oui, madame Strauss, il le faut. Jamais je ne me suis séparée de mon mari, colonel. Ce n'est pas aujourd'hui que je vais l'abandonner. Je t'en prie, sois raisonnable. Nous suivons la même route depuis tant d'années, Sidon. Où que tu ailles, j'irai aussi. Je suis certain que personne n'aurait d'objection si un monsieur de l'âge de monsieur Strauss embarquait maintenant. Je vais demander à l'officier. Non, pas tant qu'il restera des femmes et des enfants. Nous restons. Allons, viens, Rachel. C'est elle qui a raison. Moi aussi, je reste avec toi. Oui, mais elle est âgée, toi tu es jeune. Non, je t'en prie, chérie. Moi, je peux me débrouiller tout seul. Mais moi aussi. Attention à vous. Attendez un peu. C'est pas votre tour. Les femmes et les enfants d'abord. Mais c'est un enfant. Il n'a que 13 ans. Alors ça va, fiston, embarqué. Vous réveillez sur votre mère. À présent, en arrière, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, en arrière. C'est absurde. De l'autre côté, les messieurs embarquent avec leurs femmes. Pourquoi restons-nous ici, je me le demande. Mais croyez-vous qu'il y a assez de place pour tout le monde dans les bateaux? Bien sûr, il y a de la place. Qu'est-ce que nous devons faire maintenant? Je n'en sais rien. Monsieur, je vous demande pardon, monsieur. Que devons-nous faire? D'abord, jetez cette cigarette. Vous ne connaissez pas le règlement? Je serai forcé de vous signaler au commissaire. Laissez-moi passer. Qu'est-ce que vous faites là, vous? Allez! Allez, sortez! Laissez-moi rester dans le bateau. Allez, laissez-moi, je vous en prie, laissez-moi. Oh, non, non.
Tous les officiers sont priés de se présenter dans le bureau du commandant. Bon. Les hommes ne sont pas admis à bord des canots tant qu'il restera des femmes et des enfants. Je m'excuse, monsieur Guggenheim, mais il faut vous hâter. Je dirai à votre valet de chambre où vous serez. Cette chose est très désagréable. Me gêne. Il faut monter sur le pont, monsieur. Mon valet, dites à mon valet de chambre de venir. Puis-je embarquer? Oui, monsieur. Il y a de la place pour moi? Oui, allez-y. Bonsoir, madame. Je crois qu'il était temps d'embarquer. Ouvrez la grille! Laissez-moi faire. Eh bien, qu'est-ce qui vous prend? Mais je vais vous faire poursuivre, moi, pour détérioration du matériel de la compagnie. Remontez, les gars, abandonnez vos postes. Chacun pour soi. Pas de réponse? Non, toujours rien. On va essayer de lancer les dernières fusées. Bien, monsieur. Embarquez, mesdames, je vous en prie, faites vite. Va, ma chérie, c'est le moment d'embarquer. Voir. Que Dieu te protège. Prends bien soin de toi, ma chérie, et de Jeanne. Les marins pour manœuvrer ce canot. Présent, lieutenant. Barré à choquer. Amenez doucement. Il n'y a qu'une douzaine de personnes à bord. Qui peut en tenir 40? Puisqu'ils sont en train de le mettre à l'eau, ils pourraient au moins le remplir. Viens! Les enfants sur le pont. Allons-y, les femmes et les enfants sur le pont. Regardez, regardez, tous les bateaux sont partis. Je n'en vois quatre. Il peut y en avoir davantage. N'approchez pas, commandant. C'est la dernière fusée. Aucune réponse à nos signaux. Non, commandant. Je crois que tout l'équipage est allé dormir. Présentez-vous à M. Murdoch, il a besoin d'un mot. Bien, commandant.
Que le ciel leur pardonne. Pas séparés longtemps, voyons. On va s'occuper des hommes maintenant. Pardon. Le commandant m'a dit de me mettre à votre disposition. Prenez le commandement de ce canot. Ne les laissez pas se bousculer, ils risquent de chavirer. Tant pis. Allons, du calme. Ne bousculez pas. Madame, s'il vous plaît, si je ne mentirais pas, voudriez-vous faire parvenir ceci à ma soeur, l'adresse. En vrai sens, s'il vous plaît. N'y manquez pas. Pardon, monsieur. Vous me semblez bien pessimiste. L'eau est glaciale, on ne doit pas pouvoir y résister. Nous avons tiré une mauvaise main cette fois. Moi, je n'ai jamais été beau joueur. J'ai essayé de trouver place dans un canot. Alors, je vous souhaite bonne chance. En arrière, il n'y a plus de place. C'est fini, il n'y a plus de place dans ce canot. Il n'y a plus de place dans ce canot. Parez à choquer. Parez pour la manœuvre. Parez pour la manœuvre. Il ne reste plus personne. Amenez doucement. Arrêtez. Amenez. Eh bien, Phillips. N9, commandant. Le Carpathia arrive en forçant de vitesse. L'Olympique voulait savoir si nous étions capables de naviguer à sa rencontre et le Francfort, lui, demandait de plus amples détails. Ces idiots, ils ne comprennent rien à rien. C'est tellement incompréhensible. La chambre des machines est inondée. Vous n'en avez plus pour longtemps à pouvoir émettre. Prévenez le Carpathia. Bien, commandant. Et dites-lui de faire vite. Oui, commandant. J'ai fait enfiler des couvertures à toutes les portes extérieures, commandant, et on a aménagé le fumoir et les salons en dortoir. Je crois aussi qu'il faudra regrouper les passagers de l'entrepont. Très bien. Mais attendez un peu. Il ne faut pas que nos passagers quittent leur cabine. Ce sera déjà bien assez difficile comme ça sans les avoir dans les pattes. Les stewards monteront la garde dans les couloirs. Et si jamais j'en vois un... Qu'est-ce que c'est, Gotham? Un message du Titanic, commandant. Sa chambre des machines est envahie, il s'enfonce par l'avant. L'opérateur radio dit qu'il n'aura bientôt plus de courant pour émettre. Le commandant demande quand nous pensons y être. Répondez-lui, 2 heures.
Oh, vous êtes là, mon petit. Tenez, prenez ça. Ça vous empêchera d'avoir froid. Oh non, non. Vous en faites pas pour moi. Ça tient chaud, la graisse. Souquez ensemble. Le lieutenant a dit de ne pas s'éloigner du navire. Si nous restons trop près, nous serons happés par le tourbillon quand il s'enfoncera. Souquez avec moi, une des dames pourra tenir la barre. C'est moi qui ai la charge du bateau. Vous n'avez qu'à souquer. Mais les dames peuvent souquer aussi. C'est pas vrai? Allons-y, ça nous réchauffera un peu. Mais je... Oh, fermez-la, Niran, il faut des rameurs. Eh ben, on est un peu là. Allez-y. Oh non, vous avez vos enfants qui vous attendent. Non, madame. Venez, madame, vous en prie, nous n'avons pas de temps à perdre. Merci. Tournez les manivelles. Vous êtes toujours là, mademoiselle. Il va falloir embarquer sur le prochain. Merci. Ça fonce rapidement. Les embarcations sont à l'eau. Toutes sauf les deux canons pliables. Nous n'aurons jamais le temps de les mettre sur les pressoirs. Faudra les mettre à l'eau au moment où le navire sombrera. Je vais prendre des hommes pour m'aider à les dégager. Hé, hey, vous autres, venez avec moi. Il y a des hommes de disponibles. Bon, installez-moi vite un chantier. Parfait, deux hommes à chaque bout. Pareil, Jim. Pareil. À quoi ça sert? Plus personne n'écoute. Personne non plus n'écoute pendant le dîner, mais ça ne nous empêche pas de jouer. Ce n'est pas vrai, monsieur? On dit que la musique facilite la digestion. Mais oui, c'est parce que la musique détend les nerfs. Alors, le numéro 24. C'est très désagréable à porter. Nous nous sommes mis en tenue de soirée afin d'être prêts à partir convenablement. C'est ainsi, monsieur. Mais je voudrais, si jamais il m'arrivait malheur, je voudrais que ma femme sache que je me suis conduit avec dignité. Les hommes essaient de dégager les deux canots repliables, madame. S'ils réussissent, je vous promets qu'il y aura une place pour vous. Tu vois, tu peux encore y aller. Je t'en prie, chérie. Non. Nous sommes partis ensemble, nous arriverons ensemble. Êtes-vous marié, monsieur Andrew? Oui. Et si ma femme se trouvait à bord, je crois qu'elle ferait ce que je lui dirais de faire. Mais vous avez des enfants. Ça change complètement la question. Peut-être, madame. Alors laissez-moi au moins vous donner un conseil. N'attendez pas le dernier moment pour quitter le navire.
Mettez vos ceintures de sauvetage et laissez-vous glisser dans l'eau le long des cordages. Évitez de sauter autant que possible. Dès que vous serez dans l'eau, nagez pour vous éloigner. Les embarcations aussi se dégageront du navire. Merci. Nous nous en souviendrons. Et vous devriez porter quelque chose de blanc pour qu'on puisse vous repérer. Je me demande s'il sera sauvé. Mais je sais que nous serons sauvés. Attention à la manœuvre. Poussez tous ensemble et maintenez bien les bouts. D'abandonner, Phillips. Vous avez fait tout votre devoir et même au-delà. Quittez votre poste et essayez de sauver votre vie. Chacun pour soi, désormais. Je vous dégage de vos devoirs. Dieu vous protège. John! John! C'est inutile, John, il n'y a plus de tension. Hé, dis donc, toi! Moi, faut que je chauffe ma peau! Faut que je chauffe ma peau! John! 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 Un peu d'air, mettez ici toute votre force! Pesez dessus! Là, ça va. T'arrêtes pas, Mike! Maintenez les bouts! Attention, tenez bien les bouts! Après, ne vous occupez pas, on n'a pas le temps. Allez, essayez de dégager le canon repliable de tribord, vite! Maman! 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 Ma
C'est fini, messieurs. Nous avons fait notre devoir. Nous pouvons partir. Hertha, komm doch schon, wein nicht! Otto, warte nicht! Vous essayez de vous sauver, monsieur Andrew. Fais là. J'ai perdu ma maman. On va essayer de la retrouver. Viens avec moi. Allons, viens.
courage, monsieur Farrell. Venez, monsieur Farrell. Monsieur Farrell, on arrive. Tu verras, on va la retrouver.
Mais il faut aller leur porter secours. Ils sont en train de se noyer. Le bateau n'est pas plein. On pourrait en empêcher quelques-uns. Vous n'êtes pas folle? Si jamais on s'approche d'eux, ils vont s'agripper au bateau et nous faire chavirer. On va pas les regarder mourir sans bouger. Allons-y, les enfants. Souquez! C'est moi qui donne les ordres ici. Vous semblez oublier que vous parlez à une dame. Je sais parfaitement à qui je parle et c'est moi qui commande. Un mot de plus et je vous balance par-dessus bord. Souquez! Tous ensemble! Je vous préviens. Je vous préviens que nous allons chavirer. Nous partons pour recueillir des survivants. Je vais vous faire passer quelques-uns de nos passagers. Nous n'avons plus de place, lieutenant. À d'autres. Vous avez au moins 20 places encore. Alors bouclez-la et faites ce que je vous dis. Excusez-moi, attention derrière vous. Gardez votre calme. Madame, je vous en prie. Jarvis, je suis absolument navré, madame. Cette fois, voilà assez. Voilà, ça y est. Je ne peux pas en supporter davantage. Allez, en avant. Moi, je dis qu'on devrait retourner sur place. Et risquer de chavirer? Vous avez entendu ce qu'il a dit? On aurait peut-être une chance d'en sauver quelques-uns. Qu'en pensez-vous, Sir Richard? Nous sommes déjà bien assez nombreux. D'ailleurs, je ne me sens pas bien du tout. Il est difficile de donner un avis. Il n'y a qu'un seul marin parmi nous. Je crois que c'est à lui de prendre les décisions. Eh bien, il faudrait peut-être mieux attendre un peu. Et quand ce sera calmé, à ce moment-là, on pourra peut-être essayer. Mais attendre que la moitié d'entre eux soit mort. Ce ne sera pas long avec ce froid. Monsieur, le paquebot qui était en vue tout à l'heure, celui qui lançait des fusées. Oui, eh bien. Eh bien, on dirait qu'il est parti. Oui. Commandant, le grand paquebot qui lançait des fusées a disparu. Je pense qu'il a dû repartir. Et il n'a plus lancé d'autres fusées? Non, commandant. Parfait. Quelle heure est-il? 2h45, commandant. Bon, notez-le dans le journal de bord. Bien, commandant. Ferme-la et fais ce que dit le lieutenant. Ici, allez, ici. C'est vous, Brahen? Oui, lieutenant. Très bien, Brahen. Dans combien de temps le Carpathia sera-t-il là? Dans une heure, environ. Bien. Ça va pas être une perte de plaisir de naviguer là-dessus.
n'arrivera jamais à leur tourner. Écoutez-moi. Oh, ben, laissez-moi passer. Et approchez, les gars. Ah, ça va aller. Aidez-les, Bride. Oui, lieutenant, oui. Attrapez l'enfant. Redressez tout. Comme ça. À gauche. Appuyez à gauche. Tout à droite. Appuyez à droite. Comme ça. Il y a quelqu'un de mort à l'arrière, lieutenant. Vous en êtes sûr? Tout à fait sûr. Certain. C'est bon. Faites-le glisser à l'eau. Appuyez à gauche, tout à gauche. Doucement, doucement. Maintenant, on peut laisser monter le pâtissier, lieutenant. Oui, c'est le à bord. Penchez à droite. À droite. À droite. Comme ça. Merci, lieutenant. Excusez-moi, lieutenant, ça doit être le froid. Regardez, regardez, regardez devant. Bon, comme ça, les enfants. Tout à droite, tout à droite, à droite. C'est un sifflet d'officier. On va aller voir ce que c'est. La barre à tribord. Hé, hey, j'ai dit à droite, madame. Mon petit, où est mon petit, mon petit? Cet homme là-bas qui se permet de fumer une cigarette. Je trouve scandaleux d'oser fumer dans un moment pareil. Il y a vraiment des gens qui manquent de pudeur. Où est mon mari? Je suis morte de froid. Je vous en prie, je meurs de froid. J'ai si froid. Oreillette, commandant. Aucune trace du navire. Il a peut-être mal donné sa position. Iceberg à bâbord avant, commandant. Un degré à tribord. Un degré à tribord, commandant. Réduisez la vitesse. Réduisez la vitesse. Un degré à tribord. Lumière à l'avant. Envoyez une fusée. Je vous dis qu'on est fichu. Oh, fermez-la. Pas d'eau, pas de nourriture, pas de boussole, pas de carte. C'est bien l'étoile polaire qui est au-dessus de nous, non? Mais à quoi ça nous avance? Nous sommes à des centaines de kilomètres de la Terre. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, une étoile filante. Ou peut-être un éclair. Un éclair, mon œil? C'est bel et bien une fusée, regardez! Pat, regarde! Il y a un bateau qui envoie une fusée. Restez assises, mesdames, restez assises. Vous allez faire chavirer le bateau. Allons leur répondre. Ah, regardez. Là. Ça, ils le verront. Regarde, Patrick. Il y a un navire qui vient vers nous. Il a déjà lancé les fusées. Je vais mourir. Oh, courage, c'est pas le moment. On sera bientôt sauvés. Oh, regarde ces belles fusées. Regarde un peu ces belles fusées. C'est probablement le Carpathia. Vous devez être heureux de le voir. Oui, bien sûr, je suis heureux. Parce que je suis vivant. Si seulement il avait été plus près. Il y a beaucoup de si dans cette affaire, colonel. Donnez du mou, quartier maître. Donnez du mou. Si nous avions filé quelques nœuds de moins,
Si nous avions aperçu l'iceberg quelques secondes plus tôt, nous ne l'aurions pas heurté. Si nous avions eu suffisamment de canots de sauvetage pour satisfaire aux besoins du bateau et non au règlement, les choses eussent été différentes, n'est-ce pas, colonel? Peut-être. Mais vous n'avez rien à vous reprocher, monsieur Lightoller. Vous avez fait tout ce qu'il était humainement possible de faire. Après tout, vous n'êtes... J'allais vous dire, après tout, vous n'êtes pas le bon Dieu. Aucun marin ne se prend pour le bon Dieu. J'ai navigué depuis ma plus tendre enfance. J'ai navigué à voile. Il m'est arrivé de faire naufrage auparavant. Je connais tous les dangers de la mer. Mais cette fois, c'était différent. Pourquoi vous parlez de l'iceberg? Non. Parce que nous étions trop confiants. Parce que bien que ce soit arrivé, je ne puis encore y croire. Jamais plus je ne pourrai être certain de rien. Jamais plus. Dieu Tout-Puissant, Père de toutes les miséricordes, nous, tes indignes serviteurs, te rendons humblement grâce du fond du cœur pour toutes tes bontés et pour ta bienveillance envers nous et envers tous les hommes, et particulièrement envers ceux qui viennent aujourd'hui d'adresser leurs prières d'un cœur reconnaissant pour la grâce que tu viens de leur accorder. Nous te bénissons de nous avoir créés, préservés. Nous te rendons grâce pour toutes les bénédictions de cette vie présente, et par-dessus tout, pour l'inestimable don de la rédemption en notre Seigneur Jésus-Christ. Nous t'en supplions, daigne nous faire comprendre la profondeur de ta miséricorde, pour que nous puissions te louer, non seulement des lèvres, mais du cœur, en nous consacrant à ton service et en nous tenant devant toi notre vie durant, dans la sainteté et la justice. Qu'est-ce que vous dites ? Par Jésus-Christ, notre Sauveur, à qui soit la gloire, ainsi qu'à toi et au Saint-Esprit, au siècle des siècles. Amen. Amen. Commandant. Nous sommes exactement sur les lieux. J'ai pensé que vous voudriez voir vous-même. Ouais. Merci. Jusqu'à présent, nous n'avons retrouvé qu'un seul corps. Les autres, vraisemblablement, ont dû être entraînés par le courant. Nous allons quand même continuer les recherches avant de reprendre la route de New York. Oui, commandant. Combien de rescapés? On vient juste de terminer le recensement. Nous avons pris à bord exactement 705 survivants. Plusieurs rescapés du naufrage sont morts de froid dans les canaux. 1500 disparus. Hélas, oui. Je vous demande pardon, commandant. Oui. Eh bien, Cottam, qu'est-ce que c'est? Un message de Californien, commandant. Il se trouve dans les parages et il vient d'apprendre ce qui est arrivé au Titanic. Il demande s'il peut faire quelque chose. Répondez que non. Tout ce qu'il était humainement possible de faire a été fait.